Bonjour à tous et bienvenue sur Star Pirate News épisode 4. Je suis très heureux de vous revoir après cette longue absence, un petit peu indépendante de ma volonté. Alors, comme nous avons assez perdu de temps comme ça et que certains d'entre vous ont hâte de voir l'émission, nous allons commencer tout de suite par le sommaire. J'ai envie de dire que nous allons commencer comme d'habitude par le background de Star Citizen. Dans ce background, nous verrons la citoyenneté, mais nous allons surtout voir la criminalité de Star Citizen dans son ensemble. Ensuite, nous parlerons des vaisseaux de Star Citizen. Cette fois-ci, c'est le Hornet qui sera mis à l'honneur. Et nous terminerons l'émission par les news du mois, qui couvriront une plus longue période, évidemment, puisque l'émission, il n'y a plus d'émission depuis près de 2 mois. Et nous verrons ensemble les grandes nouvelles et surtout les améliorations qu'il y a eu dans le hangar depuis la première version. Maintenant, sans plus attendre, le background de Star Citizen. Take my love, take my land, take me where I cannot stand. Qu'est-ce que la citoyenneté ? Eh bien, voilà ce que je vais tenter de vous expliquer dans ce petit reportage. Tout d'abord, il faut savoir que tout membre de l'UE naît en tant que civil. Les civils, ce sont en quelque sorte le peuple de l'UE. Dès l'âge de 17 ans, tout civil est enregistré dans la base de données de l'UE comme résident de l'Empire. Dès lors, il gagne certains droits, celui de payer des impôts, de posséder des biens et de voter aux élections législatives locales. La citoyenneté, elle, ne se voit pas accordée automatiquement. La citoyenneté est un statut qui se gagne. Pour faire court, afin d'être choisi pour devenir citoyen, vous devrez montrer un grand engagement et promouvoir les intérêts de l'UE. Pour cela, vous avez plusieurs options. Soit vous distinguez lors de votre service militaire, soit par des actions communautaires. Ou encore, par votre réussite sociale. D'ailleurs, cette dernière est de loin la manière la plus efficace pour vous de vous distinguer. Bref, devenir citoyen, c'est tout sauf facile. Et c'est voulu. Après tout, l'accès à la citoyenneté vous placera parmi l'élite de la population de l'UE. Mais être citoyen, ce n'est pas uniquement un titre honorifique. Cela vous octroie de nombreux avantages. Laissez-moi vous en citer quelques-uns. Par exemple, en tant que citoyen, vous avez le droit de posséder une corporation multisystème. Seuls les citoyens ont le droit de posséder ce genre de corporation. Les fonctions politiques les plus hautes au sein de l'UE ne sont disponibles qu'aux citoyens, pas aux civils. Vous aurez le droit de voter pour les élections législatives et locales, ainsi que lors des référendums de l'UE. Vous pourrez travailler pour les agences gouvernementales de l'UE, comme par exemple Advocacy, et vous aurez aussi un accès facilité aux licences commerciales, vous permettant par exemple de faire du commerce entre l'UE et l'Exian ou avec les Banu. Et, avantage non négligeable, vous payerez toujours un taux d'imposition inférieur à celui des civils. Il y a aussi un autre avantage qui n'est pas totalement officiel, mais disons que s'il vous arrivait de faire un petit dérapage vis-à-vis des lois, en vigueur dans l'UE, eh bien disons que la police aura tendance à être un peu moins stricte avec les citoyens. Voilà. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'être citoyen vous exempte de respecter la loi. Non. Si vous étiez accusé, reconnu coupable d'un crime, la sentence pourra aller jusqu'au retrait définitif de votre citoyenneté, sans aucun espoir de la retrouver. En effet, avoir un casier judiciaire vous retirera définitivement des listes de candidats pour devenir citoyen. Maintenant, après tout cela, vous devez vous dire que la citoyenneté, c'est un peu une obligation pour vivre convenablement dans l'UE. Eh bien, pas forcément. En fait, tout dépend de vos priorités. Si vous ne visez aucun des avantages précités, et si vous voulez vous passer votre vie simplement en restant un petit transporteur de fret, ou si vous voulez explorer les systèmes lointains, la citoyenneté ne vous apportera en fait aucun véritable avantage. Donc voilà, je vais quand même terminer ce petit reportage sur la citoyenneté par un dernier petit détail.
Cela concerne l'obtention de la citoyenneté. Officiellement, l'héritage familial n'entre pas en compte lors de votre examen pour devenir citoyen. Officiellement toujours, si par exemple vos parents étaient des criminels notoires, mais que vous êtes un civil sans aucun problème, cela ne vous rendra pas la tâche plus difficile qu'un candidat dont les parents sont par exemple propriétaires d'une grande corporation. Maintenant, officieusement et dans la réalité, disons-le clairement, c'est que si vos parents sont des criminels, il vous faudra faire preuve de beaucoup plus de travail, de beaucoup plus d'assiduité pour obtenir votre citoyenneté. Car même si la loi garantit une équité des chances, la réalité est que le jugement de chaque candidat est fait par des humains avec leurs propres préjugés. Je ne dis pas que la citoyenneté vous serait obligatoirement refusée dans ce cas-là, mais il vous faudra beaucoup plus de travail et d'efforts pour l'obtenir comparativement à n'importe quel autre civil. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux ce qu'est la citoyenneté à présent, et je vous laisse. La criminalité dans Star Citizen. Vaste sujet. On a beau être dans le futur, voyager parmi les splendides nébuleuses, les paysages grandioses que nous offre l'espace, il est un fait que les temps sont durs pour tout le monde, surtout dans cette période économique très difficile que l'UE traverse. Et quand vous n'avez plus assez de crédit pour vous nourrir vous ou votre famille, eh ben, c'est pas facile de rester sur le droit chemin. De ce fait, il y a des criminels dans l'UE. Qu'ils soient devenus criminels à cause de la crise économique, par choix ou simplement défi vers l'humanité et les règles, eh bien ce sont des hors-la-loi. De ces hors-la-loi que nous allons vous parler. Tout d'abord, il faut bien vous rendre compte que la criminalité existe sous diverses formes. Mais même si les méthodes employées par les criminels peuvent différer d'un système à l'autre, globalement, dans ce type de milieu, on retrouvera toujours la drogue, les vols, les meurtres, la corruption et les organisations criminelles. Nous allons donc voir un petit peu en détail les différents types de criminels que vous pourriez croiser ou incarner vous-même dans Star Citizen. Commençons d'abord par les pirates. Après tout, que serait l'univers sans pirates? Sans doute un peu plus tranquille, mais tellement ennuyeux. Les pirates d'ailleurs sont de plus en plus nombreux dans l'UE. Ils peuvent travailler soit en solo, soit en groupe. Ces groupes sont communément appelés des meutes, ou des packs, des clans. Pour ce qui est de leur activité, c'est sans doute chez les pirates qu'on en trouvera la plus grande diversité. Chaque clan, chaque meute, suit un ensemble de codes, de règles, plutôt vagues. Il n'existe pas vraiment ce que l'on pourrait appeler un esprit de camaraderie chez les pirates. Il n'est pas rare de les voir se battre entre eux, se voler entre eux, voire même se balancer aux autorités sans aucune hésitation si cela peut leur être profitable. Toutefois, il peut arriver que certains pirates agissent en suivant une sorte de code moral. Mais généralement, la majorité d'entre eux ne se préoccupe pas de ce genre de perte de temps éthique. Bref, vous l'aurez compris, à de rares exceptions près, l'honneur et la galanterie n'est pas ce qui caractérise le mieux un pirate. Passons à un autre type de criminel à présent, les contrebandiers. Alors le transport de cargaison illégale est devenu un excellent moyen de se faire un bon petit paquet de crédit pour les transporteurs. Il n'est donc pas étonnant de voir autant de contrebandiers pour le moment, surtout en cette période de crise économique. La plupart du temps, les marchandises dites illégales sont assez variées. Cela peut aller des marchandises volées, en passant par les drogues illicites, la contrebande d'armes ou encore celle d'esclaves. Parfois, les transporteurs, les contrebandiers ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils transportent. Cela peut très bien être un simple petit colis caché dans le reste de leurs marchandises tout à fait légales afin d'arrondir leur fin de mois. Ce qui caractérise les contrebandiers professionnels des contrebandiers occasionnels, disons que c'est les techniques et les moyens technologiques utilisés par ces premiers. Ils sont souvent très pointus
Et ils utilisent toutes sortes de subterfuges pour passer les cargaisons sous le nez des autorités et des douaniers. Ce genre de technologie qu'ils utilisent est très variable. Cela peut aller du brouilleur de détecteur, en passant par un faux identifiant de navire, ou des compartiments cachés, ou encore des boucliers magnétiques empêchant la détection des soutes. Bref, pour survivre en tant que contrebandier professionnel, il faut être inventif, intelligent et surtout ne pas manquer d'astuces. Bon, je ne vous le cache pas, des bons moteurs, ça aide aussi. En tout cas, essayez d'éviter de larguer votre cargaison dans l'espace à la vue du premier croiseur de l'UE. Vous pourriez bien finir dans de la carbonite à cause de ça. Ah, ne riez pas, c'est déjà arrivé à d'autres. Hein? Oui, je sais. Bon, passons maintenant à un type de criminel un peu moins romantique et carrément, disons-le, détestable. Il s'agit des esclavagistes. Le trafic d'êtres sensibles est un trafic très très risqué. Et même parmi les criminels, les esclavagistes sont considérés comme de véritables pourritures. Mais bon, comme ce type de trafic, bien que dangereux, est très lucratif, eh bien on va continuer d'en trouver dans tous les coins de l'UE. Et oui, à notre époque, l'esclavage existe toujours. Même si on le camoufle par des noms un peu plus doux, comme la servitude, cela reste toujours de l'esclavage. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir certaines corporations peu scrupuleuses engager des esclavagistes pour recruter des employés afin de travailler dans certaines exploitations minières se situant sur des planètes éloignées. Ces ouvriers, entre guillemets, creusent le sol manuellement pour trouver des ressources. Il arrive parfois aussi que des esclaves soient achetés pour combattre dans des arènes de gladiateurs ou pour servir de cobayes dans des expérimentations scientifiques qui sont tout sauf officielles. Les esclavagistes ne sont pas très regardants concernant la provenance de leurs victimes. On trouve des esclaves humains, Banu, Xian. Certains esclavagistes sont même connus pour avoir enlevé des êtres vivants dans certains mondes en voie de développement. Et ce qui est extrêmement grave, car c'est punissable de peine de mort dans le territoire de l'UE. Le mode opératoire des esclavagistes pour se procurer des esclaves, disons que c'est souvent le même. On pourrait même dire qu'il y a réellement deux manières distinctes de procéder. Mais quelles que soient ces manières, cela commence toujours de la même façon. Les esclaves sont tout d'abord enlevés, que ce soit dans les villes ou dans les avant-postes éloignés. Ensuite, ils sont transportés. C'est dans le transport que les méthodes diffèrent, en fait. Certains vont les jeter dans une cage et les mettre dans la soute, comme n'importe quelle marchandise ou comme des animaux, alors que d'autres vont les anesthésier et les installer dans des compartiments blindés, conçus pour cacher leur signature biologique, leur signe de vie. Parfois aussi, on leur implante un dispositif de traçage dans le corps afin de les retrouver plus facilement en cas d'évasion. Mais généralement, ils reçoivent une marque codée visible sur le poignet afin que leur propriétaire les retrouve plus facilement et afin de montrer à tous leur statut d'esclave. Comme vous pouvez le voir, les méthodes diffèrent. Cela dépend principalement du niveau d'organisation et de sophistication des esclavagistes concernés. Mais laissons un peu de côté les esclavagistes et occupons-nous des syndicats. Alors, je sais bien que l'adage dit que le crime ne paye pas, mais visiblement cet adage ne prend pas en compte le crime à une échelle assez grande. Car la criminalité est un business très lucratif, à condition d'avoir les moyens de ne pas vous faire prendre, évidemment. Et c'est là qu'entrent en jeu les syndicats. Les syndicats ne sont pas très différents d'une entreprise ou d'une corporation, si ce n'est que leur business à eux, ben, c'est pas la récolte de ressources ou la fabrication de produits, mais les actes criminels. Un syndicat, c'est simplement une petite organisation de personnes qui agissent ensemble dans l'illégalité. Il existe des centaines de syndicats différents et de tailles très diverses à travers tout l'UE. Les plus gros d'entre eux peuvent gérer un grand nombre d'opérations illicites, que ce soit la drogue, l'esclavagisme, la contrebande,
Tandis que les groupes, les syndicats les plus modestes, eux, vont être plus spécialisés, par exemple dans l'attaque de convois de marchandises, ou bien uniquement dans le vol de vaisseaux, etc. Même si on pourrait avoir tendance à appeler syndicat tout regroupement de personnes ayant les mêmes objectifs, il faut voir en cette désignation plus un côté mafieux, autant dans sa composition que dans l'influence qu'elle exerce. Les syndicats agiront bien souvent dans l'ombre, laissant le soin des tâches salissantes à d'autres, et gérant tout cela de loin. Voilà. Nous allons finir avec un dernier type de criminel bien distinctif, celui-là. Il s'agit des agents d'information. Alors, être agent d'information, c'est plus une question de personnalité plutôt qu'un poste officiel ou de travail officiel. Un bon agent d'information se doit de connaître toutes les opérations, les rumeurs, la moindre chose qui puisse arriver dans le système où il se trouve. Il garde les oreilles et les yeux ouverts. Il sait qui a besoin de travail, qui en offre, qui est de passage dans le secteur, qui part du système. En fait, les agents d'information sont la source d'information principale d'un système. Bien entendu, un agent d'information peut très bien agir dans la légalité, en offrant uniquement des informations légales, mais il peut aussi être une sorte de courtier de l'ombre, devenant ainsi la source locale d'information pour les criminels. Vous pourrez, contre des crédits, savoir par exemple quelle cargaison intéressante va partir du système et où elle va se rendre. Si elle est escortée. Ces agents de l'information de l'ombre peuvent très bien faire partie d'un syndicat local ou être totalement indépendants. Votre voisin peut être un de ces courtiers de l'ombre sans que vous le sachiez. Quoi qu'il en soit, si vous cherchez à faire un contrat de contrebande ou vous débarrasser de marchandises un peu sensibles, dirons-nous, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Voilà. Vous en savez plus maintenant sur la criminalité dans Star Citizen. Mais avant de terminer ce reportage, je vais un petit peu vous parler, puisqu'on reste dans la criminalité, des 5 types principaux de narcotiques les plus populaires qui existent dans l'UE, ainsi que leurs influences. Alors, tout d'abord, on a le Stims. Alors, le Stims, c'est une drogue légale, en fait. Il se fume comme une cigarette. En fait, il est composé d'un mélange de plusieurs mélanges, en fait, de tabac, de caféine et d'antidépresseurs. Alors, il y a plusieurs corporations, plusieurs marques qui vendent du Stims. La moins chère est la Knockoff, qui se vend sous forme de paquets de cigarettes individuelles, tandis que les versions haut de gamme sont dans des cylindres électroniques à cartouches remplaçables. Bref, rien de bien méchant. Vous avez ensuite le SLAM. Le SLAM, c'est un analgésique et un inhibiteur de peur. Le plus souvent, il est inhalé sous forme de gaz, vendu en capsule, que l'on craque et que l'on sniffe. Au début, il fut très populaire dans le milieu athlétique, où il fut utilisé sous forme de stéroïdes, avant de se retrouver sur le marché noir. On reconnaît les junkies accro au SLAM assez facilement par ce qu'on appelle la tremblotte. La tremblotte, ce sont des contractions musculaires involontaires. En fait, il ne s'agit pas d'un signe de manque, mais simplement d'un effet secondaire du SLAM. Après le SLAM, vous avez la Widow. Alors la Widow, c'est un opiacé épais, de couleur noire encre, exclusivement injecté sous forme liquide. Un usage intensif de la Widow colore les veines en noir, créant de ce fait des motifs sous-cutanés en forme de toile sur la totalité du corps. Donc si vous rencontrez un type qui a l'air d'avoir été attaqué par Spider-Man version Black, ben vous pouvez être sûr que c'est un type qui a pris de la Widow assez régulièrement. Ensuite, il y a le néon. Le néon est une drogue très prisée dans les clubs, très semblable à l'ecstasy du XXe siècle. C'est un hallucinogène léger affectant le système nerveux. Donc, c'est très prisé par les jeunes dans les boîtes de nuit, en fait. Et pour finir, il y a le color.
C'est le nom donné à un puissant tranquillisant et hallucinogène, que l'on pense être d'origine Xian d'ailleurs. Esthétiquement, il ressemble à des flocons d'écorce, et il est mortel en forte concentration. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui ont essayé de se l'injecter directement en sont morts immédiatement. Tout simplement parce que le color est destiné à être ingéré. Le processus de digestion permet de le distiller jusqu'à ce qu'il vous défonce la tronche. Dans ce cas, on dit que vous êtes coloré. Bien qu'extérieurement vous sembliez normal, être coloré, c'est comme faire un voyage dans votre propre esprit. Un voyage sauvage. D'ailleurs, certaines religions ont été lancées après qu'un utilisateur ait pris un de ces bêtes couleurs. Comme quoi. Mais bon, mis à part sa toxicité, il y a aussi un risque que vous ne redescendiez pas de ce voyage. On appelle cela se déconnecter. Les utilisateurs à qui cela arrive se renferment dans leur propre tête, dans leur propre esprit, jusqu'à ce que finalement le cerveau jette l'éponge et cesse de fonctionner. C'est loin d'être une fin enviable, je ne vous le cache pas. Bref, voilà, je vous ai parlé de tout ce qui concernait les drogues et surtout de la criminalité dans Star Citizen. À présent, vous saurez à quoi vous attendre. Voilà, maintenant vous connaissez tout ce qu'il y a à savoir sur la criminalité dans Star Citizen. Nous allons continuer maintenant avec la deuxième partie de l'émission, les navires de Star Citizen. Mais avant de commencer cette partie et de parler plus en détail de Hornet, on passe une petite page publicité de nos sponsors et on se retrouve juste après. Legendary fighter pilot Ari O'Reilly once said, "Give me a fully loaded Hornet and I'll shake the gates of heaven." Anvil Aerospace's Hornets have faced Vandal, Xion, pirates, and criminals. Tested in the harshest conditions, the Hornet has proven time and again its ability to withstand damage and still be able to dish it out. With all the punishment it handles on a daily basis, don't you think the new Hornet can handle yours? Honey, I got the ice cream you wanted. F7C. See your authorized ship dealer for options. Take my love, take my land, take me where I cannot stand.
et non pas la version militaire que nous connaissons tous par la bande-annonce de Star Citizen. Ce sera la version civile que vous aurez si vous avez acheté un pack ou acheté le Hornet lors du financement de Star Citizen. De son petit nom, le F7C, il est la version civile du F7A, que nous connaissons bien. La version militaire sert, elle, de chasseur embarqué sur les porte-vaisseaux de classe Bengale. Et bien qu'il ne soit pas équipé pour les vols à long rayon d'action, le Hornet est un navire solide. Il peut encaisser les coups et servir comme une puissante et redoutable réponse à toute attaque. Et même si beaucoup pensent que le Hornet est de loin le plus laid des navires de la firme Anvil, ce n'est pas pour sa beauté que les pilotes l'apprécient, mais plutôt pour sa robustesse et sa fiabilité. Équipé de son moteur à fusion et de son propulseur TR-4, sans oublier son armement qui se compose de deux canons à neutrons et de deux missiles HS de type dévastateur, le Hornet est un chasseur redoutable. Remarquez toutefois que la version civile ne possède pas de base, les deux laser Gatling Klaus & Werner, ni la tourelle Bull qui sont présentes sur la version militaire. Le Hornet, ou plutôt la version civile du Hornet, et non pas la version militaire que nous connaissons tous par la bande-annonce de Star Citizen. Ce sera la version civile que vous aurez si vous avez acheté un pack ou acheté le Hornet lors du financement de Star Citizen. De son petit nom, le F7C, il est la version civile du F7A, que nous connaissons bien. La version militaire sert, elle, de chasseur embarqué sur les porte-vaisseaux de classe Bengale. Le Hornet est l'appareil qui a, au long de l'histoire, remporté le plus de victoires et détruit le plus grand nombre de matériel ennemi, en termes de crédit, que tous les chasseurs en service dans la flotte réunie. Aujourd'hui, le Hornet, c'est l'emblème de la supériorité militaire de l'UE. On peut d'ailleurs les voir régulièrement sur les affiches de recrutement de la flotte. Quand ils ne sont pas affectés à un porte-vaisseau de type Bengale, ils gardent les stations sur la frontière de l'Empire. Quand on l'utilise correctement, et bien entendu en suivant des tactiques adaptées, le Hornet va démontrer sa grande efficacité contre les navires de chasse Vandoul. Et il peut être suffisamment armé pour envoyer en enfer un vaisseau mère Vandoul de classe moyenne. Pour vous le prouver, voici une petite anecdote. Il y a peu de temps, un pilote de Hornet, affecté à l'escorte d'un convoi de carburant, s'est retrouvé encerclé par trois chasseurs Vandoul. Eh bien, le pilote a réussi à détruire les trois chasseurs Vandoul sans subir de gros dommages. Cela vous montre à quel point le Hornet peut être un navire efficace ou mais d'un bon pilote. Concernant sa version civile, car c'est elle qui nous intéresse le plus, eh bien, sa conception est assez récente, et son équipement de bord, je parle des systèmes informatiques, son armement, son avionique, sont bien moins efficaces que ceux de la version militaire. Bien entendu, je vous parle de la version de base. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez toujours acheter des améliorations pour votre navire et l'équiper de la même manière qu'un Hornet de type militaire. L'idée de faire une version civile du Hornet vient tout d'abord du fait que les milices locales avaient besoin d'un meilleur chasseur. C'est pourquoi à présent, beaucoup de milices sont équipées du Hornet civil. Et il faut dire que même une escadrille de Hornet civil est beaucoup plus dissuasive qu'une escadrille de vieux Cutlass, utilisée précédemment par la milice. Mais très vite, le Hornet a trouvé un écho dans le domaine public en fait. Surtout que l'idée de pouvoir disposer d'un navire militaire pour soi-même, ben c'était alléchant. Du coup, sans que personne ne s'y attende, le Hornet est devenu une marque de luxe. Et aujourd'hui, les versions civiles des navires de Anvil se vendent autant aux unités de milice qu'aux riches industriels qui pensent que voler d'un Hornet fait d'eux des pilotes de chasse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le Hornet dans sa version civile reste le troisième meilleur vaisseau monoplace disponible à la vente, dépassé uniquement par le 300i et l'Aurora. Alors, maintenant que nous avons vu les différences entre le Hornet F7A et le Hornet F7C,
Nous allons voir un peu plus en détail le F7C et ses différentes variantes. Et nous allons commencer par le F7C de base. Alors le F7C, on vient d'en parler. Comme vous le savez, c'est une arme qui est très dangereuse de sous-estimer. Et ça peut être un allié de choix. Alors, le F7C est un navire, on l'a dit, solide, fiable, et il vous protégera dans n'importe quelle situation. Nous allons donc parler maintenant un peu plus en détail des trois variantes qui existent du F7C. Ces variantes sont des exemples types de ce que vous pourrez faire en acquérant des améliorations dans le jeu afin de spécialiser votre navire. On va commencer par la première variante du F7C, le Ghost. Alors le F7C/S, appelé Ghost, c'est un navire furtif. En fait, c'est le navire idéal pour ceux qui ne veulent pas être retrouvés. Le Ghost est conçu sur la base de Hornet modifié spécifiquement pour réduire toutes les formes de sources de détection. Il est équipé de propulseurs à basse émission d'énergie, d'armes à faible rendement énergétique et d'une armure Void équipée d'une technologie faite pour disperser les émissions des détecteurs. Le F7C-S est conçu pour le pilote qui veut garder un profil bas. Le Ghost est capable de se glisser à la vue du plus concentré des observateurs afin d'accomplir n'importe quelle tâche que vous voudriez le voir accomplir. Comme par exemple... Non, finalement, je ne voudrais pas vous donner de mauvaise idée. Vous en avez suffisamment comme ça sans moi. Donc, pour résumer, le F7C-S Ghost est un navire furtif. C'est le type de navire que vous pourrez utiliser si vous voulez infiltrer les lignes ennemies et faire des dégâts sans être repéré. Après lui, il y a la seconde variante qui est le F7C-R, le Tracker. Alors, si le Ghost est conçu pour se cacher, le Tracker, lui, est conçu pour chercher. Le F7C-R Tracker emporte un set complet de radars avancés, faisant de lui un choix idéal pour les explorateurs en espace profond et qui veulent de la puissance et de la précision pour leurs détecteurs. Les milices locales ainsi que les grands groupes de mercenaires trouveront aussi le Tracker très intéressant, afin de pouvoir s'en servir comme centre de commande et de contrôle mobile. Ainsi, ils pourront organiser la gestion et la synchronisation de leurs escadrilles grâce à lui. Avec un solide fuselage de Hornet et la meilleure technologie de détecteur disponible, le Tracker ne fait pas bande à part. Il mène la meute. Et nous terminons par la dernière variante, et non la moindre, le F7C-M, aussi appelé Super Hornet. Alors, si la question se posait de savoir s'il était possible d'exploiter la puissance sous une forme physique quelconque, eh bien la réponse ce serait le Super Hornet. Son armement est ce qui se rapproche le plus de celui du F7A, donc la version militaire, tout en restant dans la légalité et les disponibilités permises au modèle civil. Le F7CM, le Super Hornet, récupère la tourelle boule et est équipé d'équipements quasiment équivalents à la version militaire. Aussi afin de prouver le vieil adage que deux têtes valent mieux qu'une, il y a un second siège qui a été ajouté au cockpit afin de séparer la gestion de la logistique et celle du combat, faisant du Super Hornet une cible vraiment très intimidante à engager. Donc voilà pour la présentation sommaire du Hornet F7C et de ses variantes. Maintenant, nous allons faire un petit comparatif sur le tableau que vous voyez là. Alors, vous avez là le Hornet F7C ainsi que ses variantes. Comme vous pouvez le voir, on va un petit peu énumérer les différences qui existent. Notamment, vous pouvez remarquer que le Super Hornet est un peu plus grand
que les autres modèles de 2 mètres, en fait. C'est pour ça que dans la corvette Idriss, il est possible de transporter 3 Hornets ou ses équivalents, donc 3 F-7C-S ou F-7C-R, mais par contre, il est possible uniquement d'embarquer 2 Super Hornets. Alors, dans les différences au point de vue du poids, on voit que le F-7C de base pèse 22 tonnes, le Ghost 18 tonnes et demie, ce qui le rend plus léger. Le Tracker fait 19 tonnes et le Hornet est également plus léger que le Super Hornet, pardon, est également plus léger que le Hornet d'une tonne. On peut voir également que la capacité de cargo est à l'avantage du Hornet de base, puisque les autres variantes n'ont pas de capacité de cargo. Cela est dû en grande partie que l'emplacement réservé à la soute du Hornet de base, le F-7C, est prise par d'autres équipements sur les autres variantes. Alors, le Hornet est un monoplace de base. Seul le Super Hornet est un biplace. Évidemment, il est biplace puisqu'il y a un nouveau siège qui sera occupé par le contrôleur radar qui s'occupera de tout ce qui est logistique, détection, pendant que le pilote lui s'occupe de tout ce qui est combat. Alors, on peut voir également que le Super Hornet a la capacité d'emporter des générateurs d'énergie de meilleure qualité que les autres modèles. Effectivement, alors que le F-7C et ses variantes comme le Tracker et le Ghost peuvent emporter des générateurs d'énergie de type 3, le Super Hornet peut emporter un générateur d'énergie de type 4. Alors, les différences continuent évidemment avec le générateur d'énergie équipé de base dans chaque modèle. On peut voir que le Hornet a un Lightning Powerbolt, le Ghost un Sakura, mais bon, ça, on va un petit peu discuter de tout cela. Je vous ferai un petit descriptif des différents équipements par la suite. Sinon, pour le reste, on peut voir que les appareils ont quelques différences, notamment dans l'équipement et l'armement, forcément. Bon, je vous laisse regarder le tableau et nous allons continuer tout de suite par un petit descriptif des différents équipements qui sont installés sur ces vaisseaux. Nous allons donc commencer par la tourelle canard de modèle K d'Universal Uplifter. Alors, c'est une tourelle automatique qui est connectée à l'avionique du pilote, ce qui veut dire que vous pouvez la commander via votre HUD qui se trouve dans le casque de votre pilote où vous regarderez, elle pointera ses canons. Alors, elle offre une option se situant entre la balle turrette et les armes fixes situées sur le bas des ailes. Effectivement, elle peut bouger comparativement aux armes qui sont fixées sur vos ailes, mais elle n'a pas l'amplitude de mobilité qu'offre une balle turrette. Néanmoins, cette tourelle canard est disponible pour tous les modèles de Hornet. Aucun des modèles ne l'a équipée de base, mais elle peut être équipée et sur n'importe quel Hornet, que ce soit le Super Hornet, le Tracker, le Ghost ou le F-7C de base. Ensuite, nous avons le générateur de bouclier All Stop FR de Gordon Defender. Alors, le modèle FR projette deux boucliers hémisphériques qui vous permet de relocaliser votre défense manuellement. Effectivement, il y a deux écrans de bouclier qui sont projetés et vous pouvez redistribuer l'énergie sur une partie ou sur l'autre suivant la nécessité du moment. Ce bouclier est installé de base sur le F-7C, le Tracker et le Super Hornet. Mais il peut être installé aussi, bien que non installé de base, sur la version Ghost. Alors, nous avons également la balle turrette FV de Valkyrie,
qui offre une grande possibilité d'angle de tir et qui est surclassé uniquement par la version militaire présente sur le F7A. C'est la meilleure balterette qui se trouve sur le marché actuellement et qui est installée de base sur le Super Orlan. Alors ensuite, nous avons le laser M4A de Behring. C'est une version améliorée du laser classique. Le M4A a beaucoup plus de punch que son petit frère et il est installé de base sur le Super Hornet. Mais il peut être installé également sur les autres versions du Hornet. Alors le bouclier EstaScreen 2S de Alios StarTech, c'est un générateur de bouclier à double zone qui offre une protection à l'avant et à l'arrière tout en gardant une signature énergétique très basse. C'est le générateur de bouclier qui est installé de base sur le Ghost. Mais bien entendu, il peut être installé optionnellement sur les autres modèles du Hornet. Le ArcLight 300 de ArcCorp. Alors, c'est un moteur qui, si la vitesse n'est pas tout ce qui compte, disons que c'est le moteur qui a l'honneur d'être le moteur TR3 qui offre la plus petite signature énergétique du marché. C'est-à-dire que c'est un moteur qui est parfait pour faire profil bas. Il est bien entendu installé de base sur le Ghost. Mais il peut être installé sur toutes les autres variantes, ainsi que sur le F7C. Alors, le CF007 Bulldog de Klaus and Werner. Le CF, c'est un laser à répétition qui troque les dégâts pour la cadence de tir, c'est-à-dire qu'il va tirer avec une grande cadence de tir, mais fera moins de dégâts qu'un laser normal. Le Bulldog est un outil offensif idéal pour débuter avec votre Hornet. Il est installé de base sur la version Ghost et sur la version Tracker, et il peut être installé sur la version Super Hornet ou sur la version de base du F7C. Alors, si le Bulldog est parfait pour débuter avec votre Hornet, quand les choses deviendront un petit peu plus sérieuses, eh bien, il sera temps d'opter pour le CF-117 Badger, de chez Klaus and Werner toujours. C'est la même arme, simplement, elle a une meilleure cadence de tir et offre de meilleurs dégâts. Elle est installée de base sur la version du F7C et sur la version du Super Hornet, et peut être installée en option sur la version du Tracker ou du Ghost. Alors, le canon Gatling 220 de chez Gallanson Tacticals. Ah oui, je vous vois. Ça, vous aimez ça, les gros canons. C'est un canon rotatif hydraulique tirant des projectiles. Le 220 a la réputation d'être plus rapide que sa cible, en fait. N'importe quelle version du Hornet peut s'équiper de Gatling. Aucun modèle n'est équipé de Gatling de base. Ouais. Arrêtez de lorgner dessus, arrêtez de baver, je vous vois. Vous aimez ça, les gros canons, vous avez ça dans la peau, les gars. Partons un peu de l'armement quelques instants et revenons sur la propulsion. Voici le HM4.3 de chez Hammer Propulsion. Initialement, il a été produit pour la course. Mais le HM4.3 peut être un ajout puissant à la longue liste des qualités de votre Hornet. Il est installé de base sur la version F7C, sur le Tracker, et peut être installé sur la version Super Hornet ou sur le Ghost. Alors ici, c'est le même en mieux. C'est le HMX 4.3, toujours de chez Hammer Propulsion. Et en fait, il offre les mêmes capacités de propulsion que le HM, mais il a des composants modifiés qui ont été installés pour diminuer les risques de détérioration ou de corrosion. Vous allez me dire, ouais, mais quelle importance puisqu'il a la même puissance? Eh bien, tout simplement, je vous rappelle que dans Star Citizen,
quel que soit l'équipement que vous avez, au fil du temps, il va commencer à se détériorer, même si vous ne prenez pas de dégâts suite à des combats. Et il faudra mettre un petit coup en crédit pour remettre votre appareil à niveau, ça s'appelle la maintenance. Eh bien, le HMX, dites-vous qu'il nécessitera un plus long temps, une plus longue période, avant de devoir débourser des crédits pour le remettre en état. Alors, nous revenons à l'armement avec ce canon à neutrons NN13 de chez Maxox. Alors, ce canon, c'est pour ceux qui préfèrent la précision à la cadence de tir. Effectivement, le NN13 a une très faible cadence de tir. Par contre, il fait très très mal quand il touche quelque chose. Petite parenthèse à nouveau sur l'armement pour vous montrer le Store Hall Big Box modèle H. Ben, le Store Hall, vous le voyez, hein, vous le connaissez, il est installé sur le F7C de base. C'est la soute en fait qui est mise à la place du vide laissé par l'enlèvement de la balle turrette. Alors, cette soute n'est pas très grosse, hein, vous n'aurez pas la même soute qu'un Constellation, qu'un Freelancer, ou même qu'un 308 avec ça, mais vous aurez quand même la possibilité d'avoir, la possibilité donc de cumuler la solidité du Hornet et la capacité de charge d'un petit transporteur. Ah, les missiles. Voici les missiles à reconnaissance d'image Stalker, les Talon Stalker. Alors, combiné avec le logiciel de reconnaissance d'image de la société Talon, le missile Stalker peut être équipé de nombreuses têtes explosives différentes afin d'augmenter son potentiel de destruction. Ce type de missile est équipé de base sur le Super Hornet, mais il peut également équiper tous les autres appareils de la série. Alors maintenant, voici le Powerball de chez Lightning. C'est un générateur d'énergie construit autour d'un système de vortex quantique de superfluide. Me demandez pas ce que c'est, je suis pas ingénieur. Alors, le Powerball garde une haute capacité de production d'énergie tout en gardant une faible émission énergétique. Il est monté de base sur la version F7C et sur le Tracker. Et il peut être installé également optionnellement sur le Ghost ou le Super Hornet. Alors voici le Light Blossom GH-E8A de chez Sakura. Alors il est conçu pour le pilote qui ne veut pas se faire remarquer. Le Light Blossom utilise un procédé de sonoluminescence pour minimiser sa signature EM. Il est installé évidemment de base sur le Ghost, mais peut être installé sur toutes les autres variantes de la série du Hornet F7C. Encore un missile. Cette fois-ci, il s'agit du missile FF Dominator de chez Talon à nouveau. Alors, son système de reconnaissance a été de nombreuses fois récompensé et a élevé le statut du missile ami ou ennemi, qui est le Dominator, en une autre dénomination, le tir et oubli. Il est installé de base sur le F7C, mais peut être installé, comme beaucoup de choses, sur les autres navires. Et nous terminons par le radar Long Look de chez Wilsops. Alors, comme vous le voyez, l'antenne radar Long Look de Wilsops augmente de façon exponentielle les capacités de vos détecteurs actifs et passifs. Une fois équipé de ce Long Look, vous allez pouvoir l'utiliser à des fins d'exploration ou l'utiliser comme centre mobile de Command and Control. Comme vous l'avez certainement deviné, il est installé de base sur le Tracker. Mais il peut être installé aussi sur n'importe quel autre modèle de Hornet. Voilà. Nous en terminons donc maintenant avec les variantes du Hornet. Je vous rappelle néanmoins
que les variantes du Hornet sont disponibles dans la boutique du site du RSI, que le Super Hornet est disponible encore à l'achat jusqu'au 4 novembre. Il ne le sera plus par la suite. Par contre, le Tracker et le Ghost, eux, vont rester dans la boutique jusqu'à la fin du financement de Star Citizen. Donc, si vous voulez transformer votre Hornet de base, ou si vous n'avez pas encore de Hornet à votre actif, eh bien, si vous voulez un bon vaisseau fait pour la chasse, le combat solide, et qui est prêt à défourailler tout ce qui se trouve devant lui, ben, je vous conseille d'aller le prendre. Ça aidera à financer le jeu, et vous aurez un superbe vaisseau dans votre hangar. Allez, c'est fini pour le Hornet. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le Hornet. Maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez toujours télécharger la brochure du Hornet sur le site de RSI ou directement sur starpirate.fr dans la rubrique téléchargement. Voilà, la deuxième partie de l'émission est terminée. On passe directement à la dernière partie, les news du mois. Take my love, take my land, take me where I cannot stand. Alors, concernant les news du mois, eh bien, tout d'abord, on va essayer de faire un petit récapitulatif. Tout d'abord, il y a eu le premier anniversaire de Star Citizen. Effectivement, le 10 octobre dernier, eh bien, ça faisait un an que Chris Roberts avait annoncé Star Citizen à la GDC. Donc, le développement, un an. Joyeux anniversaire à tous les citoyens. Maintenant, pour cet événement, il y a eu la CitizenCon, qui a été retransmise en direct live, en live stream, très péniblement, il faut dire, on s'est cru dans une retransmission de diapositive et eu de nombreux problèmes techniques, dû sans aucun doute à l'utilisation de YouTube, qui n'est pas vraiment fait pour ça, on dirait. Alors, et en plus, le show a été coupé, quoi. Mais nous avons quand même réussi à apprendre certaines choses à la CitizenCon. Par exemple, un outil qui sera bientôt disponible sur le site officiel. On n'a pas encore de date précise. Il s'agit d'outil organisation qui permettra donc d'organiser sa guilde, son squadron, en l'inscrivant sur le site officiel. Pendant cette CitizenCon, on a également eu la révélation des deux derniers bombardiers, les deux derniers vaisseaux sur lesquels on n'avait aucune information. On a eu pas mal d'infos techniques et d'essais conceptuels concernant le Gladiator et le Rétaliateur. Ensuite, plus tard dans le mois, eh bien, c'est la brochure de l'Aurora version 2944 qui est sortie, avec la toute dernière variante de l'Aurora, la version Hélène, légionnaire, qui est en fait une version de l'Aurora avec deux emports d'armes supplémentaires et une amélioration du générateur d'énergie. Et dernièrement, il y a quelques jours, eh bien, c'est le Hornet qui sortait avec son pack complet, c'est-à-dire ses variantes, sa vidéo publicitaire et sa brochure. Il y a eu également pas mal de patchs pour le module de hangar. Et maintenant, d'ailleurs, nous allons un petit peu voir ce qui a changé dans le hangar, qui est passé aujourd'hui en version 2. My love, take my land, take me where I cannot stand. Alors, comme vous pouvez le voir pour cette version 2 du module hangar, on va commencer par les constellations. Ils ont enfin rajouté les sièges pour les tourelles. Voilà, donc là je me suis gouré, j'ai été dans le siège pilote. Voilà, ça on va sortir de là tout de suite. Donc comme vous le voyez, voilà, maintenant il y a les deux sièges. Rappelez-vous, la dernière fois je vous avais montré, il n'y en avait qu'un seul dans leur série. Donc on va monter sur le siège de la tourelle. Voilà. Hop. Regardez, c'est quand même superbement bien fait. On monte, voilà, on arrive à la tourelle, les portes s'ouvrent, la tourelle se déploie et on peut regarder à gauche, bouger la tourelle, la monter, voilà. Donc en face, on aura le HUD. Vous pouvez voir derrière, on regarde à gauche, à droite. C'est quand même pas mal fait du tout. Hein. C'est assez plaisant.
Donc ça, c'est une des nouveautés qui est arrivée à peu près en même temps que la version 2. Voilà, on descend, hop, 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 et on referme et on redescend au poste. Voilà. Imaginez ça dans le jeu avec plusieurs personnes qui doivent monter. Alors, il y a aussi l'animation dans la constellation des, voilà, des couchettes qui est implantée. Vous pouvez voir les couchettes qui servent de capsule de sauvetage aussi. Alors, il y a maintenant l'accès à la salle de bain, voilà, avec la douche qu'on peut ouvrir. Et puis, après la douche, voilà. Et les toilettes, mais d'abord un petit peu d'intimité hein, quand même, parce que, bon, voilà, restons mondains. Et on peut ouvrir et s'asseoir sur les toilettes. Il y en a beaucoup qui disent que ça ne sert à rien, mais c'est ce genre de petits détails débiles qui rendent un jeu vivant. Voilà. Voilà, alors maintenant on va regarder un petit peu ce qui a changé dans le freelancer. Rappelez-vous, la porte arrière du freelancer, quand elle s'ouvrait, était largement, mais vraiment trop raide. Hein, c'était impossible de pouvoir charger quoi que ce soit avec. Et même pour remonter la pente, même à pied, c'était difficile. Alors voilà, à mon avis, ce sont un petit peu. Un petit exemple de travail fait par un lien sur le forum officiel, voilà, avec cette petite passerelle qui redescend. Et voilà, la nouvelle passerelle porte arrière du freelancer, c'est quand même beaucoup plus sympathique et beaucoup plus réaliste. Alors, voici l'Avenger. L'Avenger qui est apparu dans le hangar il y a quelques temps, avec un patch. Voilà, vous pouvez voir l'appareil. Alors, c'est un biplace. Il y en a qui disent que la deuxième place va disparaître. On n'en sait rien encore jusque maintenant. C'était un ancien vaisseau de l'Advocacy. Voilà, donc vous voyez, il a un canon à l'avant. Il a deux canons sur les ailes et des amports également pour porter du carburant supplémentaire. Alors, à l'arrière, il a une soute, voilà, qui est un petit peu basse. Voilà. Apparemment, il a été dit qu'on pourra, dans un wingman hangar, qu'on pourra y entasser des gens. Pourquoi faire? Mieux vaut ne pas le savoir. Après tout, les mœurs de chacun concernent chacun, ça ne nous regarde pas. Voilà, donc on va maintenant aller un petit peu voir le cockpit. Alors pour le moment, il faut monter sur cette espèce d'échelle, c'est assez risqué hein, parce que c'est spécial. Donc voilà, le cockpit s'ouvre. Alors on va d'abord aller dans la place arrière si on y arrive. Hop. Ouais. Hop là. Et on s'y glisse comme un fou. Et on est content. Voilà. Alors on va voir. Voilà le cockpit qui se referme. Donc l'Avenger, hein, c'est quand même. Il a une belle forme, c'est un beau vaisseau. Il a une très belle vision. Vous voyez dans le cockpit, hein, à l'avant c'est encore mieux. On va aller voir. Il y en a beaucoup qui disent qu'il ne sert à rien, mais je ne suis pas d'accord. C'est un vaisseau qui peut très bien être configuré, je pense, en un bon petit vaisseau de contrebande. Donc, pour un contrebandier, ça peut être très très intéressant. Voilà le cockpit, hop. Il y a quand même quelques petits trucs qui ne vont pas avec l'Avenger, notamment, vous n'avez peut-être pas vu dans la soute, mais quand on regarde le dessus de la soute, normalement, les moteurs devraient se trouver à l'intérieur de la soute. Il y a un problème de conception à ce niveau-là. Hein. Normalement, ça devrait être réparé parce que ça a été reporté sur le forum officiel. Alors, on en parlait tout à l'heure, voilà l'Aurora LN, la version légionnaire. Comme vous pouvez le voir, il a deux canons sur le dessus supplémentaires. Ses couleurs vertes et jaunes, hein, il est quand même joli. Et ses quatre missiles sur le dessus, avec un siège en cuir, peu mieux que la version élite. On rentre dedans, ouais. Bon, ben, on va rentrer dedans pour le fun, mais bon, ça reste un Aurora. Par contre, je vais pouvoir vous montrer quelque chose que je n'avais pas su vous montrer la dernière fois. Voilà, c'est l'animation de se mettre dans sa petite couchette. Ça, j'avais pas eu l'occasion de vous le montrer, je pense, parce que quand j'avais fait la vidéo sur le hangar la dernière fois, ben, c'était pas implanté.
Enfin, ça avait été implanté puis retiré suite à un nouveau patch pour améliorer l'animation. Donc voilà, tranquille. Et on ressort. Voilà, c'est des trucs qui ne servent à rien, diront certains, mais encore une fois, c'est des petits détails qui rendent le jeu très très vivant, très très immersif. Alors, on va quand même se mettre à la place. Je me suis toujours demandé ce que c'était que cette espèce de grosse bonbonne à l'arrière du siège du LN. Ouais, je pose la question, parce que si quelqu'un a la réponse, vous pouvez me l'envoyer en commentaire. Donc voilà, le Aurora, toujours un joli petit vaisseau. Moi je l'aime bien, l'Aurora, il est joli aussi. Enfin, j'aime bien tous les vaisseaux, en fait, il faut dire ce qu'il y a. Alors les Hornets, voilà, alors ça c'est la version Tracker, donc avec l'antenne radar, hein, comme vous pouvez le voir, ça c'est la variante de Hornet. On la voit. Un petit tour autour, donc vous pouvez voir son espèce de radar qui fait un peu à wax, avion radar. Très peu d'armement forcément, mais ça va être un vaisseau certainement très très utile. On va monter dedans, mais bon, ça reste un Hornet. Mais cette fois-ci, le cockpit va se refermer, ce qui n'était pas le cas encore la dernière vidéo du hangar que je vous avais montré. Donc ça va être un vaisseau très très utile pour être utilisé comme centre de contrôle et de commande mobile. Là vous voyez les animations ne sont pas encore tip top hein, sur les variantes de Hornet. Ça a été fait à l'arrache on dirait. Ça a été fait à l'arrache mais ça va être corrigé au fur et à mesure bien entendu. Voilà. Alors j'ai pas pris le Ghost donc je ne saurais pas vous montrer le Ghost. Version furtive du Hornet donc mais vous pourrez trouver des vidéos du Ghost sur internet sans problème. Je vous en ai parlé largement dans la deuxième partie de l'émission de toute façon sur ses caractéristiques techniques. Ah oui, on va regarder voilà un peu plus près l'antenne en dessous, les capteurs de la version Tracker. Voilà, regardez un peu le niveau de détail, c'est magnifique. C'est assez énorme hein, quand on voit le niveau de détail des appareils. Le travail effectué est sincèrement de très bonne qualité. Vivement que le module de Dogfight sorte. Alors, voici le Super Hornet, le Hornet F7CM, comme vous voyez. C'est la version militaire, on va dire, du... Enfin non, c'est pas la version militaire, parce que c'est le F7A. C'est la version armée, surarmée, de la version civile. Voilà. Donc vous pouvez voir les canons à neutrons sur les ailes, les grosses Gatling sur la tourelle, la balle turrette. Et alors, grosse chose à dire sur cet appareil, c'est que c'est un appareil biplace. Voilà. Alors, au moment où j'ai fait cette vidéo, j'avais pas compris, j'avais pas trouvé comment faire pour aller dans la position arrière. Mais c'est possible, il suffit simplement de faire le push en regardant vers la droite, au lieu de regarder vers la gauche, vers la position avancée, et on va en position arrière. Ben, bon, la position arrière, c'est exactement la même que celle-ci, hein, avec... Voilà, on va regarder un peu, vous allez voir. Voilà, vous voyez, c'est le même cockpit. Mais ça permet de gérer donc la position avant, c'est le pilote. Et la position arrière, c'est celui qui va s'occuper de tout ce qui est capteur, détecteur et le reste. Donc, de gérer la logistique et le combat. C'est un peu à la manière de F-14 ou de F-18. De F-18C. Voilà, on va descendre. Et alors, terminons maintenant par encore un gros ajout, c'est surtout ça qui a amené le fait que c'était la version 2, la nouvelle tenue que l'on peut utiliser, c'est la tenue du freelancer, une des tenues pour montrer les capacités de personnalisation, de vêtements, de cheveux sur notre personnage. Alors il y a également, enfin vous allez voir plus tard, on va toujours mettre la tenue, hop. Le monsieur a dit hop, voilà.
Et hop, avec les cheveux, ça charge, hein, on a des cheveux, moi aussi ça me chargeait. Donc voilà, on va voir un petit peu, un peu plus en, voilà, en détail, hein, la tête du personnage, la vue. La copie, les animations avec les deux, vous voyez les deux range flex sur le côté. Alors derrière, vous voyez, il y a une petite, petite vidéo là aussi, un petit écran vidéo en fait, qui est avancé. Et aussi, voilà, ça c'est la récompense, c'est l'aquarium avec les deux petits poissons. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Oh non, pas cette musique. Les deux poissons, donc je disais, voilà, c'est. Et là, l'écran de vidéo et une vue sur le hangar pour terminer. Voilà donc la version 2 du hangar. Et voilà, Star Pirate News, c'est terminé. On se retrouve dans un mois pour l'épisode 5. Promis juré, cette fois-ci, il n'y aura pas de retard. Bon, alors, sur ce, continuez à me mettre vos petits commentaires. J'essaie toujours d'en tenir compte lorsque je fais ces épisodes. Il n'y a que pour les commentaires concernant la durée que je n'arrive à rien faire. En fait, je suis toujours en train de déborder et de faire des émissions de plus d'une heure. Je fais ce que je peux, mais désolé, j'y arriverai pas. Donc, les épisodes Star Pirate News seront toujours une heure. Il faut vous y faire. Alors, voilà, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et faites attention à vous et on se retrouve dans un mois pour l'épisode 5. Prenez soin de vous, citoyens. À bientôt. For the spaceship.